Vivacité. Je sens qu'on va se balader un petit peu avec la famille Tchanché et avec la collaboration de la Fédération du Tourisme de la province de Liège. Tchanché, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tout le monde. Comment va-t-il? Vous êtes dans votre musée ou vous êtes à la maison avec Nanès? Là, pour l'instant, je suis à la maison avec la petite femme, elle est assez, tu vois. Ah, parce qu'on vous retrouvera... Ah, les enfants sont rentrés de l'école. Allez, très bientôt, j'espère qu'on vous retrouvera au musée Tchanché, en Outre-Meuse, naturellement. Alors, Tchanché, c'est vrai que, comme beaucoup d'auditeurs de Vivacité, comme beaucoup de familles, vous avez envie de rattraper un peu le temps perdu, et notamment dans les balades et les découvertes autour de Liège, j'imagine, Tchanché. Ah oui, mais Michel, bien sûr, allez, hein. En semaine, après journée, parfois, on se balade le long de la Meuse ou bien dans les parcs, hein. Mmh. Et puis le week-end, bah, tu sais bien, on en a déjà parlé plusieurs fois, on part en balade avec les enfants. Ouais. Une journée, hein, comme l'a dit la présidente là, de la République d'Outre-Meuse de Belgique. Oh, si c'est la présidente de la République libre d'Outre-Meuse qui le dit, alors effectivement, on rappelle que les excursions d'une journée sont permises. C'est... Vous avez tout à fait raison de chercher. Oui, mais je crois que... aussi dans ta Belgique à toi, là, Michel. C'est vrai, un peu quand même. Papa de chantier, excuse-moi, monsieur Michel, mais oui. C'est quoi la République libre d'Outre-Meuse? Ah, ça, mon petit Léo, la RLOM, eh ben, c'est ceux qui habitent en Outre-Meuse, hein, à Liège, et qui font vivre le quartier. C'est des bénévoles qui font tourner le musée de chantier, comme disait Michel, mm-hmm. et qui organisent les fêtes du 15 août, qui s'arrangent avec les commerçants, avec les cafés. Ah ben, tiens, ça, chantier. Je sais bien que c'est vous qui êtes mandaté par les ministres de la République libre d'Outre-Meuse pour voir comment qu'ils vont, les quartiers. Bah, ouais. Écoute, on peut de nouveau boire une petite goutte, c'est vrai, madame Nanès. Mais les quartiers, il faut grismer, hein, comme il y aura justement pas 15 ou folklorique, justement, cette année en Outre-Meuse. Hein. Oh, je vois que vous êtes déçu, mon bonhomme. Comme beaucoup de liégeois, sans doute. Hein. Mais vous verrez, ça m'a donné l'occasion de faire autre chose, un peu plus de temps en famille, hein. J'ai réservé sur Internet, d'ailleurs, pour aller nous promener à Forestia. Ça vous changera, hein, Tchanché? Oh, ouais, ben, écoute, je veux bien, d'accord, mais avec les enfants, tout ça. Mais justement, papa Tchanché, c'est super trop bien fait pour nous, hein, aller voir les animaux dans le bois et puis faire des parcours dans les arbres. Allez, alors, ça va, hein, de voir un sourire comme ça sur le visage des gamins. Michel, si tu voyais ça à la radio et au téléphone... Ça me ferait tout oublier. Oh là là là. Eh ben, je les comprends. Une belle journée à passer à Forestia, comme disait Nanès il y a quelques instants. Une belle activité, en tout cas, que vous nous proposez. Allez, un petit rappel d'ailleurs, hein, le parc Forestia situé à Theux, hein, près de Spa, propose deux activités majeures. Il y a le parc animalier, il y a le parc aventure. Parc animalier avec environ 300 animaux de nos climats en semi-liberté, répartis en une trentaine d'espèces sur 44 hectares de plaine et de forêt. Il y a de belles promenades à faire sur 5 km d'ailleurs. Le parc aventure propose 9 parcours dans les arbres de difficultés variables à partir de 2 ans et 2 tyroliennes géantes, dont une de 120 mètres. Et puis on n'oublie pas naturellement la plaine de jeux, mini-expo, forest bar, etc. Il y a les infos sur forestbar.be. Puis Tchanché, on va rappeler que comme d'habitude, tout ce que vous nous racontez sur Vivacité peut être retrouvé, on peut même nous réécouter dans notre petite conversation sur liegetourisme.be. C'est bien ça, Tchanché? Ah ouais, dis donc, j'aimerais finir ça d'aller faire de l'acrobranche. Mais moi déjà, je suis en bois, une marionnette en bois, aller faire de l'acrobranche, je ne sais pas. Je ne crois pas me prendre pour un arbre. Bah, oui, quelque part, c'est vrai, on pourrait se tromper. Ça fait un peu ton sur ton, hein, si j'ose dire. Bon, mon petit ami Tchanché, on vous souhaite une belle journée, belle balade à Forestia avec les enfants et Nanès. Et puis on se retrouve quand mardi pour d'autres belles propositions. Ah, mardi, je pourrais chanter. Tout ça ne vaut pas une croisière sur la Meuse. Je me réjouis déjà. Qui sait? Avec plaisir. Salut, Tchanché, à tout bientôt.